Je vais maintenant passer la parole à notre grand témoin, Pierre Elbron. Vous êtes envoyé spécial du président de la République pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine depuis mars 2023. Bonjour, monsieur. Bonjour et merci beaucoup. Madame la Présidente, chère Nadia, monsieur le ministre, cher Alexis à distance, monsieur l'ambassadeur, très cher Vadim, monsieur le directeur général, très cher Laurent. C'est avec beaucoup de fierté que je suis évidemment ici pour cet événement qui s'inscrit vraiment dans l'esprit que j'essaye d'animer depuis un peu plus d'un an, qui est celui de l'équipe que tu indiquais, Laurent, c'est-à-dire un effort collectif qui rassemble l'ensemble des composantes et l'ensemble des acteurs français au soutien de l'Ukraine. C'est pour ça que c'est un motif de fierté aussi de voir autant de participants aujourd'hui à ce forum organisé par Business France en lien évidemment avec le Sénat et tous nos partenaires, parce que ça montre que c'est pas simplement une photo qu'on prend aujourd'hui, mais que c'est une dynamique dans laquelle on s'inscrit et sur laquelle on essaye d'apporter l'ensemble de nos savoir-faire des différentes administrations, des différents niveaux également d'intervention, que ce soit au niveau national et au niveau local, et de tous les participants ici présents. Nous sommes dans un moment, évidemment, à bien des égards très particulier, dramatique, évidemment, en Ukraine, déjà depuis plus de 2 ans, mais particulièrement difficile aujourd'hui et ces dernières semaines, notamment sur le front militaire, le front énergétique, qui est quand même priorité numéro un. Également le front sanitaire, les infrastructures du pays sont attaquées tous les jours. La dernière frappe en date, notamment qui a frappé cet hôpital pour enfants à Kiev, étant là pour nous rappeler. Et donc on vit en même temps un moment sur lequel on ne peut pas ne pas être présent à travers l'ensemble de nos actions. On vit un moment aussi compliqué, il ne faut pas se le cacher, également parce que l'ensemble des bailleurs, à un titre ou à un autre, est confronté à des échéances internes compliquées, des échéances électorales, qui sont une bonne nouvelle parce que nous sommes des démocraties, que ce soit au Royaume-Uni il y a quelques jours, en France évidemment, aux États-Unis dans quelques semaines, mais également après, au Canada, au Japon. Et donc il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes des démocraties avec des débats aussi dans chacun de nos pays et que, évidemment, c'est un des éléments importants. On vit aussi, et on a vécu, se termine un peu aujourd'hui avec le sommet de l'OTAN, également une séquence qui a été très riche au soutien de l'Ukraine, avec évidemment la conférence de Berlin sur la reconstruction qui a eu lieu il y a 3 semaines, le G7 en Italie, le sommet pour la paix qui a eu lieu en Suisse, mais également le sommet de l'OTAN cette semaine. Moi, je me contenterai de 2 messages relativement simples, qui sont premièrement qu'on est aux côtés de l'Ukraine dans la durée. Je crois que c'est très important également pour des entreprises qui se projettent et que cet engagement n'est pas un engagement conjoncturel, circonstanciel, mais un engagement structurel. Et le deuxième message, c'est qu'on est vraiment là pour les entreprises et pour les entreprises françaises. Alors, le premier message qui est, et je crois qu'il est important compte tenu des incertitudes également que j'évoquais en introduction, c'est qu'on est là, on a été là depuis le premier jour et qu'on continuera à être là dans les prochains mois, les prochaines années. D'abord, en tant que pays européen, puisque quand même la France et le président de la République et l'ensemble d'entre nous avons décidé que l'essentiel de notre aide prendrait la voie européenne. Et c'est pour ça que c'est très important de se dire que l'essentiel de cette aide est également, pour ces 50 milliards d'euros qui ont été adoptés comme aide jusqu'en 2027 au niveau européen, cette décision qui a été prise également au niveau du G7, mais qui va se traduire au niveau européen de 50 milliards de dollars,
qui permettent d'activer en fait les revenus d'aubaine liés aux actifs russes dans le monde, essentiellement en Europe. C'est un cadre de stabilité qui a été voté à l'unanimité, qui ne peut pas être défait, sauf unanimité, et donc qui inscrit quand même notre aide dans la durée. C'est également, en tant que pays du G7 et comme actionnaire des banques multilatérales de développement, que nous agissons, et l'activation, par exemple, d'un demi-milliard d'euros au soutien du secteur privé à travers les garanties que nous apportons à la Banque européenne de reconstruction et de développement et à la Société financière internationale sont également deux éléments qui vont permettre dans la durée d'apporter notre aide à l'Ukraine. Nous sommes là également sur les priorités de court terme, de résilience, que ce soit en matière militaire, en matière sanitaire, en matière énergétique, avec une aide humanitaire dont vous connaissez l'ampleur, mais également sur les priorités de transformation du pays dans le domaine ferroviaire, le domaine numérique et bien d'autres domaines qui visent à soutenir l'Ukraine dans son chemin vers l'Union européenne. On le fait également, et ça serait mon dernier point pour dire qu'on le fait dans la durée, c'est qu'on le fait au niveau national, mais on le fait au niveau local. Et je crois que cette dimension locale, on est évidemment ici dans une institution d'une grande stabilité et qui est très investie dans les territoires. On le fait au niveau local, et je suis sûr que l'AFD pourra revenir sur cette dimension, puisque le mandat de l'AFD que nous avons défini vise essentiellement le niveau des collectivités locales. Le dernier point que je voulais évoquer, c'était... que nous sommes là aussi aux côtés des entreprises françaises spécifiquement. Les entreprises françaises sont le premier employeur étranger en Ukraine. On ne le rappellera jamais. Je rends hommage notamment, je vois des faces et des visages connus d'entreprises qui sont restées depuis février 2022 aux côtés de l'Ukraine, qui emploient 25 000 salariés, qui ont reconstruit les installations qui ont été détruites dans les zones qui étaient occupées par l'armée russe. Et je crois que cet engagement de tous les jours était évidemment très important quand on veut parler d'avenir, parce qu'il faut bien construire à partir de quelque chose. Je crois que c'est un atout, on ne se rend pas compte, mais c'est un atout très important d'avoir une présence française déjà très importante au départ. Nous le faisons à travers une boîte à outils sur laquelle reviendront nos amis, notamment du Trésor, à travers le FASEP, les prêts concessionnels du Trésor, l'assurance investissement, je suis sûr que BPI en parlera, l'expertise, mais également les deux nouveaux fonds, les deux nouveaux instruments que nous avons mis en place, que sont le fonds bilatéral d'aide civile de 200 millions d'euros en matière d'infrastructures critiques, qui va ouvrir quand même la possibilité à beaucoup d'entreprises françaises de mettre le pied à l'étrier sur un marché et après d'accéder à d'autres sources de financement également par la suite et d'aider de manière très directe l'Ukraine dans les mois qui viennent. Et l'AFD, qui est un acteur majeur et qui aura un rôle essentiel dans les mois qui viennent. En conclusion, je crois qu'il s'agit évidemment d'instruments et d'acteurs institutionnels dans l'équipe France qu'évoquait Laurent. Je crois aussi que faire le pari de l'Ukraine, certes, c'est un choix audacieux, c'est un choix courageux. C'est un choix qui ne peut pas se faire uniquement sur des critères de rentabilité immédiate. Mais c'est un investissement également dans l'avenir de l'Ukraine, dans l'avenir d'un pays qui va être membre de l'Union européenne, mais c'est également un investissement pour la France, en termes de création d'emplois dans nos territoires. Je fais le tour des régions françaises et ça me frappe de voir aussi des entreprises qui créent de l'emploi grâce à également des marchés en Ukraine. C'est très important pour les PME, au-delà des grands investissements qu'on peut avoir en tête. Et je terminerai juste en disant que, évidemment, vous m'avez appelé grand témoin. Je crois que, plus qu'être témoin, ce qu'il faut, c'est être acteur, et j'essaye de l'être. Je crois que, surtout, les vrais acteurs, c'est vous. Et donc, j'espère que cette journée vous permettra, évidemment, de devenir encore plus des acteurs au quotidien en Ukraine. Et vous pouvez compter sur l'équipe rassemblée, évidemment mon équipe, mais évidemment tous ceux qui sont représentés, les administrations de l'État, mais également les opérateurs de l'État. Business France est au premier rang de cela pour vous accompagner au cours des mois et années qui viennent. Merci beaucoup.